Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport dans un entretien accordé donc à Bakary Cissé, donc notre confrère de record. Elle est revenue sur l'actualité des Lions du Sénégal, donc Wahna, le fond en comble de l'Algérie, Coupe d'Afrique des Nations aux jeunes joueurs. Donc il a ratissé large sur l'actualité des Lions du Sénégal. Nous avons que les remontes de la CAN. Donc nous avons CAN vraiment maintenant pour le Sénégalais parce qu'on voulait gagner la CAN, mais quand même. Les dieux du football en ont décidé autrement et on ne peut qu'accepter donc cette défaite face à l'Algérie. Mais quand même, on va tout faire pour se qualifier pour la CAN 2021, essayer de la gagner parce que je suis persuadé qu'on peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi, l'objectif en 2020, c'est de bien démarrer les éliminatoires de la CAN, donc de la Coupe du Monde 2022. Il faudrait que, quand on est arrivé des jeunes loups, les jeunes joueurs qui tapent à la porte de la tanière, comme Moussa Konen, Lassana Faye, donc Lys Moussé, Boulaïdia, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent jouer en équipe nationale donc du Sénégal. Et c'est mais mon nana ici j'ai une ossature mais une ossature ba paré amna jeune joueur yi ñew Aliou Diallo ñew na Sidy Sarr ñew na avec donc le départ de Alfred Ndiaye donc il y a beaucoup de jeunes joueurs qui entrent dans la tanière mais surtout en attaque on a Mbaynia donc on a Famri Diédou donc c'est pas évident donc on a aussi donc Baba Thiam donc c'est pas évident de faire toujours convoquer de nouveaux joueurs mais quand même on suit tous les joueurs et actuellement je prépare un voyage pour aller donc inspecter de nouveaux joueurs parler avec eux pour les convaincre de venir en équipe nationale sénégalaise donc peut-être Boulaïdia Elis Moussé Mendy donc les binationaux qui veulent jouer pour l'équipe nationale du Sénégal donc amical aussi. Néanmoins, jouer l'Angleterre ou bien le Portugal serait réjouissant. On a joué face au Brésil, ça a été fructueux. Actuellement, on peut jouer face à l'Angleterre ou bien même face au Portugal. Ça serait réjouissant parce que face au Brésil, on a montré qu'on peut titiller, qu'on peut faire face aux grosses nations de football. Donc, vous savez, contrat aussi, on a dit, nous avons la vérité sur son contrat. Personne ne connaît les détails de mon contrat. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais les détails de mon contrat, n'y a pas qu'un hamouko. Donc, nous y sommes. Et nous avons envie d'y aller. Donc, mon nana, 2022, Coupe du Monde, beaucoup de objectifs. Et quand 2021, beaucoup de objectifs contraire. Donc, Aliou Cissé, parez-vous pour quitter la tanière. Donc, supervision des renforts, nana, il va faire un voyage de prospection pour Hall. Il y a un jour le monde d'Oli qui est comme national. Nous avons peut-être anticipé. Est-ce que nous avons pas besoin de Aliou Cissé? Donc, Alfred Ndiaye, je n'ai envoyé aucun joueur à la retraite, mais il faut se dire qu'il y a des réalités donc, du football et il y a des jeunes joueurs de l'équipe nationale du Sénégal qui commencent à émerger. Taman, je fais confiance à ces jeunes joueurs et je n'ai pas de retraite. Ce sont des choix purement sportifs et j'ai choisi d'autres joueurs à la place de ces joueurs qu'on peut dire, c'est Kara, Akiri, Alfred Ndiaye. Mais maintenant, quand même, il faut être réaliste. Moi, j'ai fait mes choix et je les assume. Maintenant, si c'est ça, être Yaya Diame, moi, je préfère être et l'air. Donc, ils ont aussi. Donc, Sadio Mané au Real Madrid, c'est bien possible. Mais Sadio Mané concentrez-vous. Donc, dans son football, Banya Khalat et Real Madrid. Parce qu'il a des gens, il a un staff, des avocats, des agents pour négocier cela. Mais il doit rester concentré et essayer le Sénégal à gagner la CAN 2021. Mais pour aller au Real Madrid, le Real est un grand club. Mais souvent, il y a des gens. Nous n'avons que relation avec Casasport. On ne peut pas être Julien Soroa sans aimer le Casasport. J'ai de très bons rapports avec le Casasport. Et je serai toujours disponible pour aider le Casasport. Donc, nous n'avons que le véritable rôle de Elhaj Houssain Diouf. Qu'il soit sur le banc de touche ou bien dans les gradés, la position de la Diouf n'est pas importante. Il est heureux d'être avec nous et nous sommes aussi contents. Maintenant, il va essayer toujours de partager son expérience. Donc, des Khelal Khalei, de partager son expérience parce que la Diouf, il a toujours été un grand joueur. C'est une légende du football sénégalais. Donc, il est là pour apporter son expérience et son vécu à. Donc au groupe qui est actuellement très très jeune, et Khalé Lagnor, espérant Elhaj Diouf de Nabar, qui est équipe nationale du Sénégal. Donc de manière globale, voici le résumé de l'entretien accordé au journal record de Aliou Cissé. Il y a eu un jour de retraite, CAN dit maintenant, mais il va essayer de gagner la CAN 2021 et de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Il y a aussi Khalé Ndaw qui tapait à la porte, mais quand même il va faire une exception. Il va dire les meilleurs joueurs et l'équipe nationale du Sénégal. Aussi, la rencontre donc amicale, les joueurs face au Brésil, des grands matchs, si on a eu Angleterre ou le Portugal tamit. Donc, Rofi Yakhoul Dione, lol aussi, dina ñu neex doom gaay ñay warul tiit warul ragal Aliou Cissé Cissé Ngari. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner chaîne YouTube Grégoire, de aimer, de partager vidéo yi, tam len aussi compte Instagram Grégoire. Ngen tapez Grégoire Omnisport sur Instagram, ngen abonnez-vous parce que fofu aussi nañ fa def ay direct, ngen mën di woté en direct. Directly the sub.
Dañ dem len aussi page Facebook Grégoire. Ngén abonné fofu parce que na fay partager vidéo yi. Donc Grégoire partout. Ala Athiou amul baye.